âme bénit l'Éternel. Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel pour les 365 jours de souffle de vie supplémentaire. Mon âme bénit l'Éternel pour ces personnes incroyables qu'il a mis autour de moi. Mon âme bénit l'Éternel pour les aventures inoubliables qu'il me permet d'expérimenter. En ce jour qui marque ma venue sur terre, mon âme bénit l'Éternel pour ce vlog. Alors les amis, welcome dans ma chambre toute noire. Je ne sais pas pourquoi la luminosité ici n'est pas top. Mais là, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à ranger les affaires. J'ai tout mis là. Mais il y a un petit DIY qu'il faut que je fasse. Je vais vous montrer tout de suite. Il est super. Je pense que ce sera très intéressant de partager avec vous. C'est pour ça que j'ai soulevé la caméra. Regardez-le là-bas. C'est le Mimi. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Tranquille. Ça va bien. Réveillez-vous. Hello people. Welcome to Marrakech. J'espère que vous allez super super bien. It's my birthday. Officially 25. Yeah. J'espère que vous allez bien. Nous sommes arrivés hier soir. Et oui, tout allait bien pendant toute la journée. Mais il fallait qu'un bouton se place sur mon front. Sinon, ça n'allait pas être moi, quoi. Vous voyez, donc voilà. Donc, un petit gentil bouton est venu me souhaiter joyeux anniversaire sur mon front. Well, anyway, anyhow, nous sommes arrivés hier soir à Marrakech. Et now, on a une activité à faire à la palmeraie de Marrakech pour le quad et le chameau. So, on se prépare rapidement, on part pour éviter d'être en retard. Désolée de commencer le vlog dans la douche, mais bon, you know, on doit se préparer rapidement. Là, je viens juste de me réveiller, je n'ai rien fait. Je vais juste faire une légère skincare. J'ai même pas beaucoup de produits pour ma skincare. Faire mes cheveux et voilà, je me prépare juste et puis. We shall live. Nous sommes à l'hôtel relax. Hôtel relax, voilà. Et on se prépare à partir. Saucia. Bizarre. Hello guys, nous sommes prêtes, mais nous serons en retard dans 4 minutes. Donc on se dépêche là. Le quad, oui. Tu démarres. Tu tournes la clé. Oui. Avant de passer la première vitesse, tu attrapes le frein à gauche là. Ok. Tu sais. En même temps, tu appuies pour passer la vitesse. Tu fais comment? Tu appuies pour passer la vitesse. Appuie comment? Faut monter. Il y a des modèles. Les modèles, tu soulèves. Tu appuies. Ah, ok. Tu appuies. Quand tu mets la vitesse, tu lâches tout doucement. Ah. Et là, tu vas en faire un peu. Il n'y a pas de pareil. On dit l'auberge.
Ah non, mais mon anniversaire est réussi. Lopé dans la place. Nous sommes à la palmeraie de Marrakech pour pouvoir faire le quad et puis la visite sur un dromadaire. Voilà. Djadji, le grand Djadji, il va tout tuer, à tout niquer. Oh non non. Combat, très cher. Combat, je reste à côté de toi. Je comprendrais que t'es fait pour ça. Souvent, je peux pas. Franchement, je sais pas faire toi. Je sais pas conduire. Mais fais ça. Je que t'es né pour ça. Hein. C'est pas. Nous venons juste de faire le quad. Je ne sais même pas si vous pouvez m'entendre avec tout ça, mais c'est moi, voilà. Et franchement, j'avais super peur vu que je ne conduis pas. Franchement, tout ce qui a quatre roues ou deux roues, il ne faut pas me voir là-bas. Je ne suis pas là-bas. Et donc, c'était vraiment, comment on dit ça, un challenge pour moi. Et de prime abord, c'était très très compliqué. Mais arrivé un moment, j'ai pu me relâcher un peu, conduire un peu. Mais j'ai été assistée. Je tiens à dire merci à l'équipe de, c'est quoi, Marrakech Quad Bogie, voilà. Et parce qu'ils ont été vraiment super avenants et super gentils envers moi. Oui. Bien. L'opère. Je meurs. Et j'ai besoin de ruban rouge là pour mettre ça. Ah, ça te va super bien là. Toi aussi, merci. Hello les amis, là nous sommes venus prendre le thé maintenant. C'est un bon profil. Moi, monsieur. Ah, non, c'est qui? Pas moi, monsieur. Monsieur Lopez. Hé, hey, les amis. Là, on a fini le quad. Nous allons maintenant pour la montée sur des chameaux. Hey, la grande. Hey, Daddy, c'est comment en haut là-bas? Hello, from me and my people. Nous sommes en train de rentrer à l'hôtel après le quad. Nous sommes super fatigués, super en retard sur le programme. Je ne sais même pas si on pourra aller manger, mais anyway, normalement après on doit aller au jardin du lotus pour manger. Donc, yeah. Guys, on devait aller au restaurant manger, mais je pense pas qu'on pourra le faire. Tout le monde est fatigué, tout le monde est crevé.
ce qu'on veut faire, c'est qu'on va essayer de commander quelque chose. Enfin, si on peut commander quelque chose. Et puis, le soir, on va tous aller au restaurant pour, voilà, s'amuser. So, un peu déçu, mais ça va. Parce qu'on s'est bien amusé le matin quand même. N'est-ce pas? Ouais. Donc. Hey guys, je finis de me préparer. Je suis tellement en retard. Je sais même pas si vous pouvez bien me voir. Attendez. Non, il n'y a pas de bonne lumière ici. En tout cas, anyway, vous allez me voir dehors. Attendez, je vous montre le. Ça, c'est mon full look. Voilà. Et arrivé là-bas pour la coupure du gâteau, je vais me changer. Plus mon sac DIY. Et voilà. Let's go. Regardez ma coloc, comme elle est belle. Aïe. Il y a d'autres personnes qui en auront besoin aussi. Let's go. So fucking light. Et ça va sortir. Tanti. On veut vers là. Anyway, thank you very much. Thank you. Look at my coloc. On peut être jolie comme ça. On peut être jolie comme ça. Je suis obligée de venir dans les toilettes parce que ici, la luminosité est meilleure. Mais voilà, je veux profiter pour vous montrer mon outfit. Je suis obligée de rapidement venir parce que j'étais en retard. Donc il fallait venir. J'ai pas eu le temps de vous montrer ce que je porte. Et donc je porte une robe de chez Zara. Ma coiffure, je l'ai faite moi-même. Mais j'ai posé la perruque, comme vous l'avez vu, dans un salon de coiffure. Aesthetic and Beauty of Africa, un truc comme ça. Wish me happy birthday, guys. I love my look. I think I look good. If I can say so myself. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon look dans la barre de commentaires. Ok, see ya. Les amis, malheureusement, nous avons perdu la majorité des vidéos filmées pour l'anniversaire. Car je les avais filmées avec le téléphone de mon ami, vu que mon téléphone était déchargé. Et tenez-vous bien, la semaine qui a suivi, son téléphone est mort. Complètement. Nous n'avons rien compris. Du coup, nous avons perdu la majorité de nos footage au fait. Et donc, malheureusement, on n'allait pas pouvoir voir comment la soirée s'est passée, mais c'était extraordinaire, franchement. Hello guys, hello. Là c'est le deuxième jour, on va déposer les valises à l'accueil et commencer les activités. On va aller manger. Jardin de. Majorelle. Jardin de. Comment on appelle ça? Lotus, le restaurant et puis Majorelle. On dit. Le but c'est de. Mais Dalton. Sors. Chassa. Chassa. Regarde. Les vraies couleurs. Les vraies chemises. Les vraies chemises. Les vrais motifs. Ma tête. Hello la famille. J'espère que vous allez bien. Juste avant d'aller manger, on prend une séance photo. N'est-ce pas? Oui. La team. Voici le photographe, il est où là? Il est voilà. Le grand Sean. Et là derrière on a Sina et Kumba, les plus belles. Oui, hello. C'est bon? Merci. Mais par contre, il est très grand. Hello. Hello. Bon, allez, on se rattrape, on va manger. Bisous la famille. Coucou Mohamed. C'est lui à qui on prend photo. Il est tellement grand, je ne le vois pas. Attends, je me baisse un peu. Tu sais que
as pris le métier là, tu as attaché ça. La vlogueuse de chat. Attaché ça. Et t'as dit. Donc là, je vous montre l'entrée du jardin Lotus. On va. Vraiment historique. Avant de le trouver, on a dû galérer un peu. Avec. Regardez-moi ces lumières. Monsieur est déjà assis. On peut faire ça. Qui a dit la fille du sol? Belle car. On the track. Oui, Titi. Mimi. Tu es mignon ce matin. J'essaie ce matin. Depuis que les femmes, fâche-toi. Tu es mignon. Bisous, mes frères. Bisous. Faisal. Hello. Eliane. Jeune. C'est mort jusqu'à. C'est lui. Mais Kumba, tu as peur de quoi? Il y a 12 ici. Kumba. C'est ma maman qui le voit. Ta maman demandait la depuis une nuit là. Depuis une nuit là. Attendez, faut qu'on prenne la photo là-bas. C'est chaud, ça me donne. Moi, j'ai dit que t'es oublié. On n'a pas envoyé les photos. Tu as coupé la caméra là, après tu es revenu sur moi. Mister Belka, on the track. La nourriture vous rend plus beau. On avait fait beaucoup. Franchement, tout d'un coup, les visages sont rayonnants comme ça. Bien sûr. Rayonnant. Oui. T'as bien vu ma maison. Non, faut quitter là. Exceptionnel. Bon appétit. Merci. Always, tu rencontres le jour. Si c'est clair. Photographe, yes. Bagage toujours en main. Mais tu n'utilises pas. Je l'utilise, mais j'avais faim. Ok. Anyway, picture time.
véritable labyrinthe, ses abonnés. On cherche à accéder à la maison bleue que vous voyez là. Mais c'est très compliqué en fait. Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Donc voici Marianne transformée en photographe. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Je prenais des photos tout à l'heure. Désolée si je ne vlog pas assez parce que franchement, c'est un peu difficile de prendre des photos, de vlogger en même temps. Je vous montre la maison bleue au jardin de Majorelle. C'est super, super beau. Franchement, je suis contente d'avoir fait ce tour là parce que à la base, c'était même pas. Bon, c'était dans le plan, mais avec comment les événements se sont passés, tout ça, on a décidé au fait de ne pas faire. Mes autres amis sont rentrés. Mais là, je suis avec 3 autres amis et franchement, c'est super beau. Je ne regrette pas du tout. Je partage un peu l'environnement avec vous. Comment vous avez trouvé la visite ici? C'est trop bien. Franchement, on s'est bien amusé. Là, on part maintenant au marché. Ouais. Et en calèche. Visite de la ville. Alors, c'est ça les calèches. Nous allons prendre pour aller au marché. Say hi! Jama Elfnar est un marché local où il y a des énormes stands de fruits, de jus de fruits, et les vendeurs ne manquent pas d'imagination pour pouvoir vous pousser à acheter chez eux. Franchement, j'ai adoré, comme vous pouvez le voir. Faites coucou à ma caméra. Hey les amis, nous étions nombreux, après nous étions 4, mais là maintenant nous sommes 2. Les survivants. Et là, on va aller à la dernière activité avant de rentrer. Ce que je peux dire, c'est que cette avenue là, franchement, si on tape Marrakech sur les réseaux sociaux, sur Google, on va jamais voir, et c'est super super beau. Et... Alors les amis, notre dernière activité se trouvait à M Avenue, qui est le quartier futuristique de Marrakech, où nous avons fait une séance d'immersion, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et je ne sais vraiment pas comment expliquer, mais il y avait beaucoup de projections, d'images. C'était des images qui avaient l'air réelles au fait. Et je vais vous laisser regarder, vous allez comprendre. Regardez seulement. Thank you.
bien, c'était super bien. Malheureusement, on n'a pas pu la terminer parce que sinon, on aurait raté le bus. Et comment c'était? C'était trop bien. Je viens de rester à Marrakech, mais elle me force à retourner à Casa. On doit rentrer. Elle doit rentrer. Il y a boulot. Non, elle a boulot. En tout cas, franchement, j'ai adoré ce séjour à Marrakech. C'était super, super génial. Mon anniversaire, je ne vais jamais oublier comment j'ai célébré mes 25 ans. Franchement, c'était... Et j'espère que vous avez apprécié le vlog. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me lâcher un huge thumbs up. C'est-à-dire de vous abonner. N'oubliez pas aussi de parler de ma chaîne. Et c'est-à-dire de liker. Lâchez un huge thumbs up, c'est-à-dire de liker. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de parler de ma chaîne à vos amis. Merci encore d'avoir suivi la vidéo. Et n'oubliez pas, lâchez-moi les commentaires dans la barre de commentaires. Je veux parler avec vous. Quand vous laissez les commentaires comme ça, là, franchement, je suis tellement, tellement reconnaissante. Donc, n'oubliez pas de me lâcher plein de commentaires dans la barre de commentaires, de vous abonner, de partager la vidéo. Et puis, et de suivre Tierno HG. Suivez-moi, je suis plus intéressée. Whatever. Anyway, merci encore d'avoir suivi et on se dit à la prochaine, n'est-ce pas? D'ici là, portez-vous bien. Bye bye, take care. Bisous.